Là, on ne peut absolument pas mettre en doute la douceur de cette colonie. Alors, on est sur du couvain naissant. Aussitôt pondu. Et le couvain est naissant un peu partout. Alors, cette reine est née il y a vraisemblablement un mois. S'est mise à pondre très rapidement puisqu'on a déjà du couvain naissant. Très beau couvain, très bonne qualité. Donc là, c'est la première visite que je fais de cette colonie. Depuis cette nouvelle reine. Donc là, on est à 3 cadres de couvain, 1 cadre d'œuf. Pour une nouvelle reine est pas mal. Encore un cadre de couvain. Regardez-moi ces belles larves. Plus on s'éloigne, plus les larves sont jeunes. Et on finit sur des œufs. Là, on a 5 cadre de couvain. Six. Magnifique. Et des deux côtés, un cadre plein au carré. Donc 5 cadres de couvain, un cadre d'œuf. Et voilà. Encore un petit couvain sur le sixième cadre. Voilà. On peut dire 5 cadres et demi. Et ensuite, c'est de la provision. Ici, ce sont des provisions. Donc on ne va pas le sortir. Alors comme il y a plus de couvains sur la gauche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler les cadres vers la droite pour stimuler la colonie à se rééquilibrer un petit peu vers le milieu. Alors là, je vais relibérer. Bon, avant de libérer ma reine, je vais d'abord, vous voyez, il y a du monde autour de la reine, hein. Donc je vais décaler mes cadres tranquillement
sur la droite. Hop. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il n'y a quasiment que des cadres neufs. Et donc ensuite je vais prendre ce cadre qui n'est pas totalement bâti, elles ont commencé à l'étirer, et je vais le mettre là où elles sont le plus présentes pour les inciter à l'étirer. Et la reine à y pondre rapidement. Et je remets mon cadre de réserve qui pour l'instant est sec, hein, parce que la colonie ne l'occupe pas encore, mais avec tout ce qui va naître, ça va pas tarder. Lui, je le remets sur les rives. Bon, j'ai que deux cadres qui sont plus anciens que je laisse sur les rives. Voilà. Donc là, vous avez pu constater, hein, la douceur de ces colonies Buckfast. Hop là. Retour de la reine. Retour de la reine dans sa colonie. Et voilà. Colonie remise en forme. Donc là, on a un cadre de provision. On a des provisions quasiment sur tous les cadres. Il y a des belles rentrées de pollen. Donc je m'inquiète pas, il n'y a pas besoin de nourrir quoi que ce soit. Elle trouve des ressources. Alors s'agissant d'une très jeune reine, nous n'aurons pas de rupture de ponte cet été. Il faudra attendre cet hiver pour avoir une rupture. Par contre, dès que la saison est terminée, ça, il ne faut pas l'oublier, on met les portes anti-frelons, hop, les portes vertes, en sachant que les portes anti-frelons empêchent le frelon de rentrer dans la ruche, bien sûr, bien que les petits spécimens arrivent à rentrer. J'en ai déjà vu rentrer, alors je ne les ai pas vus rentrer, mais j'en ai déjà vu des petits qui étaient morts dans la ruche. Donc ça empêche surtout les gros individus de rentrer, mais ça permet aussi de réduire la porte qui est de ce coup-là beaucoup plus facile à défendre contre une colonie pillarde qui se trouverait dans les alentours. Là, la porte est beaucoup réduite. On voit que les abeilles ont un peu plus de mal à trouver l'entrée, mais elles trouvent, hein. Et elles vont pouvoir la défendre beaucoup plus facilement. Il y a aussi pas mal de guêpes cette année, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Et cette porte réduite évite qu'il y ait les guêpes qui rentrent sur les côtés. Les guêpes vont rentrer là où il y a le plus d'abeilles et se faire chasser très rapidement.